Nous vous en parlions tout à l'heure, le Salon du Bourget ouvre ses portes ce lundi. C'est l'événement le plus important de l'industrie aéronautique, l'occasion de nombreuses commandes d'avions. L'avionneur européen Airbus attend de nouvelles commandes de l'Airbus A380. Karina Chabour suit ce salon pour France 24. On la retrouve tout de suite pour la chronique du jour. Oui, absolument Audrey. Donc effectivement, vous l'avez dit, les commandes ont commencé à pleuvoir ici au Bourget. Et pour en parler, je suis avec Monsieur Yves Galland, président de Boeing France. Bonjour. Bonjour. Alors ça a commencé ce matin effectivement avec une compagnie indonésienne Garuda qui a annoncé des commandes partagées entre Airbus et Boeing. En ce qui vous concerne, il s'agit à la fois de 787 et de 737 MAX. Quelles sont vos attentes en termes de commandes lors de ce salon? Écoutez, nous avons une stratégie différente. Nous comptabilisons les commandes au 31 décembre de chaque année. Nous n'avons pas, comme Airbus, l'habitude de concentrer nos commandes sur un salon. Nous les faisons au fil de l'eau. Donc nous aurons des commandes, mais rien d'extraordinaire. L'année dernière, 14% de nos commandes de l'année étaient à Farnborough, alors qu'Airbus avait 34% de ses commandes parce qu'il les concentre à Farnborough. Alors le Bourget, finalement, ça sert à quoi pour vous? Le Bourget, c'est très utile. C'est le premier salon du monde et ça permet tant sur le plan civil que militaire d'avoir des contacts avec nos fournisseurs. Je vous signale que nous achetons pour 6 milliards de dollars par an à l'industrie française et que nous avons contribué à créer 30 000 emplois en France. Mais nous avons des fournisseurs dans le monde entier qui sont ici et puis naturellement prendre contact avec nos clients tant sur le plan civil que militaire. Alors on voit que le Dreamliner est un succès commercial. Sa version allongée, plus économe en carburant sera présentée. Elle volera ici dans le ciel du Bourget dans moins de 2 heures. On se souvient de problèmes à répétition de batterie. Est-ce que les problèmes techniques, c'est fini pour le Dreamliner? Alors, le Dreamliner a eu 2 révolutions technologiques, des révolutions. La première était une révolution sur les matériaux composites. Il y avait 50% de matériaux composites sur le Dreamliner. Sur le 747, à l'origine, il y avait 1%. Les matériaux composites ont pour objet d'alléger la masse de l'avion et donc de le faire consommer beaucoup moins. Ensuite, c'est un avion beaucoup plus électrique. Et donc, le résultat sur le Dreamliner, c'est qu'il consomme entre 20 et 30% de carburant en moins par rapport aux avions existants. Quand on sait que c'est le principal coût pour les compagnies aériennes, naturellement, nous en avons vendu plus de 1000, nous en avons livré aujourd'hui 285 et plus de 40 millions de passagers ont volé sur le Dreamliner. Donc pour vous, les problèmes techniques, c'est normal? Non, nous avons connu des problèmes techniques qui n'étaient pas normaux ou naturels, compte tenu des révolutions technologiques dont je vous parle. Mais nous les avons parfaitement maîtrisées. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les enquêtes d'opinion que nous avons, les compagnies aériennes sont ravies de l'exploitation du Dreamliner et les passagers déclarent à l'unanimité que c'est un nouveau plaisir de voler. Alors on a vu il y a quelques minutes le Bombardier C-300 qui est la nouveauté de ce salon. Qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle concurrence? Écoutez, nous avions un duopole avec Airbus. Maintenant arrivent 2 nouveaux concurrents. Il arrive les Canadiens avec le 6 Series et il arrive les Chinois qui sont en train de mettre au point également un moyen courrier. Nous sommes très confiants sur l'avenir. Pourquoi? D'abord parce que nous avons la chance d'avoir un marché exponentiel extraordinaire. Nous avons aujourd'hui 8 ans de commandes devant nous et nous allons vendre 38 000 avions dans les 20 ans qui viennent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous transportons 3 milliards de passagers. Dans 20 ans, nous en transporterons 7 milliards. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde? Il y a de la place pour tout le monde. Nous allons embrocher 533 000 pilotes en 20 ans. Et donc, nous sommes tout à fait confiants, d'autant plus que le 737 a connu beaucoup d'évolutions et le 737 MAC est un avion exceptionnel qui résistera à toutes les concurrences. Alors, vous l'avez dit, la demande est croissante. Vous devez accélérer vos cadences au risque de mettre la pression sur vos sous-traitants. Comment faire pour vous assurer que vos sous-traitants peuvent suivre? Eh bien, écoutez, c'est extrêmement simple. Il faut anticiper la montée des cadences suffisamment pour que les fournisseurs sous-traitants puissent s'adapter et prévoir eux aussi l'augmentation des cadences. Donc ceci doit se faire dans un planning géré et nous ne sommes pas inquiets sur le fait que nos fournisseurs pourront accompagner la montée en cadence du 737 mais de l'ensemble de nos avions. Parler du 787, on en fabrique 10 par mois aujourd'hui. Pourtant, il y a eu des tensions, on le sait, notamment avec votre sous-traitant Zodiac pour la fabrication de sièges. C'est exact. Nous avons
eu des problèmes et nous avons toujours des problèmes avec Zodiac. Il faut savoir d'ailleurs que Zodiac a plusieurs contrats chez nous. Par exemple, il gère le traitement des eaux dans le Dreamliner, il gère les toboggans d'évacuation, il gère aussi des parties électriques. Et puis il fournit des sièges. C'est sur cette partie siège que nous avons des difficultés. D'ailleurs, ce sont les compagnies aériennes qui choisissent Zodiac et qui commandent. N'empêche que c'est une vraie problématique, puisqu'aujourd'hui, nous avons des avions qui sortent de la chaîne d'assemblage et auxquels il manque des sièges, et que nous devons parquer et remonter des sièges sur les parkings, ce qui est anormal. Donc nous sommes en train de voir comment Zodiac va pouvoir sortir de cette spirale négative et qui n'est pas acceptable. Alors, on voit aussi qu'on est dans une course à l'innovation avec des avions qui doivent être à chaque fois plus économes. Lorsque l'on sait que des années s'écoulent entre le moment où la commande est passée et la livraison arrive, est-ce que vous ne craignez pas que finalement vos clients, au moment de la livraison, soient insatisfaits et demandent le dernier modèle qui est sorti quelques années après? Si nous parlons du Dreamliner, comme je vous l'ai dit, c'est un avion qui donne toute satisfaction, qui remplit les objectifs d'économie de carburant que nous avions fixés, entre moins 20 et moins 30% d'économie de carburant. Dans 6 ans, 7 ans, les clients qui seront livrés auront le même bénéfice qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental. Vous en êtes sûr, compte tenu de l'accélération du progrès technique? Non. Quand vous faites des révolutions comme celles que nous avons faites, vous ne pouvez pas les faire tous les ans. C'est impossible. Ces révolutions durent sur des périodes. Un avion comme le 787 est un avion qui va durer pendant 20-25 ans. Merci beaucoup Yves Galland, donc très confiant sur cette industrie aéronautique qui croit à une vitesse fulgurante. Et merci à vous Karina Chabour. Vous continuez à suivre pour France 24 ce salon du Bourget.